Les potes, faut que je vous dise un truc, regardez. Regardez ma main. Attends, je sais pas si ça va se voir. Si ça se voit. En gros, je me suis coupé en X, je sais pas comment j'ai fait. Juste parce qu'en gros, il y avait ma porte. Et ça, genre, il y a un petit bout de, je sais pas, de plastique ou quoi qui dépasse de ma porte. J'ai juste ouvert ma porte, je me suis blessé. Et c'est quoi comme niveau de fragilité? Moi, je suis en école d'art. Et tu sais, en école d'art, on utilise beaucoup de papier parce que du coup, on dessine beaucoup. Je me coupe à tous les cours. À tous les cours, j'ai toujours le doigt coupé. Quoi, tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les potes, là où aujourd'hui, on va réagir à une histoire. Parce que vous me le demandez tout le temps. J'ai toujours des abonnés en commentaire qui me disent c'est quand la prochaine histoire animée, c'est quand la prochaine histoire animée. Du coup, la voici. D'ailleurs, j'ai tenté une nouvelle coupe, les potes. Je sais pas si vous avez ma nouvelle coupe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma nouvelle coupe. Je me suis coupé la peau et les cheveux aujourd'hui. Trop bien. Donc, aujourd'hui, on va réagir à une histoire qui s'appelle TikTok a détruit ma vie. Donc, déjà, tu te doutes que ça va être très bizarre comme histoire. Et avant de commencer la commis, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu du coup pour soutenir cette série. Vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la petite cloche. Parce que là, on part sur une grosse histoire. Et j'espère que ça vous plaît. Donc, si ça vous plaît, posez-vous. Détendez-vous après une dure journée de travail. Et bref, on commence l'histoire, TikTok a détruit ma vie. Avoir une sœur dans votre vie signifie qu'il est cette personne qui vole toujours vos vêtements, votre maquillage et tous ces produits de beauté super chers pour lesquels vous avez dépensé une fortune. Ok, j'ai bien fait de pas avoir de sœur. Et j'ai également pas de produits de beauté. Je sais, je suis naturellement beau. Pourtant, ça ne vous dérange pas parce que vous aimez cette personne. Eh bien, mon histoire était ainsi. Jusqu'à ce qu'un jour, ma sœur me vole la chose la plus précieuse que j'avais. Le dernier Kinder Bueno. Non mais en vrai, moi tu me voles mes affaires? Coup de boule. Pas du tout. En vrai, tu me voles mes affaires, je ne fais absolument rien. J'ai fini par ruiner sa vie à cause de ça. Salut, je m'appelle Sam et j'ai une sœur cadette appelée Kelly. Salut Kelly. Quand on était jeunes, Kelly et moi étions très proches. Mais ça a changé quand elle a grandi. J'ai presque causé son décès. Quoi? Kelly est devenue ma plus grande ennemie et la personne que je déteste le plus. Ah ouais, carrément, ça sent les poupées vaudou et tout. Qu'est-ce qui a pu se passer et il est où le rapport avec TikTok? Avec le temps, Kelly a changé. Elle est devenue un monstre. Mais en même temps, vous avez vu... Pourquoi? Et avant que je ne vous explique ce qui est arrivé, n'oubliez pas de vous abonner. Ah. J'ai entendu dire que ça vous protège des cauchemars. Ok, cool. À l'âge de 16 ans, Kelly est devenue une blogueuse Instagram célèbre. Elle avait son propre compte professionnel et des tonnes d'abonnés. À l'époque, je n'en pensais pas grand-chose. Je supposais seulement qu'elle était une blogueuse qui voulait devenir célèbre. Je n'avais aucune idée que ça allait ruiner des années de ma vie. Ah ouais, carrément? Mais déjà, là, on parle d'Instagram. Hein. Le rapport avec TikTok, il n'a pas. Elle a amassé une fortune grâce à ça. Et du coup, pour mes parents, elle était la fille parfaite, alors que j'étais l'opposé. J'avais 18 ans et les pires notes scolaires. Oh non. Alors qu'elle était plus intelligente, plus belle et bien entendu plus riche. Mes parents étaient très fiers d'elle. Ça n'a fait que renforcer mon rôle de plante verte à la maison. Une plante verte. Et moi, j'ai jamais entendu une personne insulter une autre personne de plante verte. C'est une insulte qui fait mal au cœur. Et mal au coussinet aussi. Mais la tête du père, elle est incroyable. Clairement, si je suis père plus tard, je veux avoir cette tête-là. Oh. Kelly était tout leur monde. Surtout quand elle les a aidés à acheter une nouvelle maison luxueuse. Ils la vénéraient. Elle était leur déesse. Et bien entendu, pas qu'à leurs yeux. Aux yeux de tout le monde. Ah ouais, donc en fait, la meuf, c'est la DS. Je dirais même plus, c'est la Nintendo DS. Vous vous êtes abonné pour ce genre de blague, rappelez-vous. En vrai, ça veut dire quand même que là, ses parents sont un peu en train de la michto. On n'en parle pas assez. Ok, bon, ouais, on va voir ce qui va se passer. Mais déjà, j'aime bien le début de l'histoire. Même si mes parents la traitaient mieux que moi, j'étais heureuse pour elle. Parce qu'elle est ma sœur et je veux qu'elle réussisse. Mais ce qui m'a époustouflée, c'est qu'elle m'a utilisée comme son jouet pour être plus célèbre. Quoi? Et par ça, je veux dire qu'elle a commencé à m'humilier devant tout le monde pour attirer l'attention des gens. Par exemple, il y avait une fois où elle m'a préparé une tasse de lait chaud avec des Oreos. Elle a remplacé la ganache des Oreos avec du dentifrice. Et elle m'a filmé pendant que je l'ai mangé. J'ai presque vomi devant tout le monde. Mais ça s'appelle un prank. Mais déjà, et Kelly, mais c'est une malade. Les gens, quand ils commencent le délire des pranks, on les arrête plus. J'ai été dans une villa avec des youtubeurs, je sais ce que je dis. Quand il y en a un qui commence à pranker, ça part en couille. Tu peux pas dormir bien quand t'as quelqu'un qui prank dans ta maison. Parce qu'il peut te réveiller à n'importe quelle heure de la nuit pour te faire bouffer des Oreos qui puent. Genre, tout peut t'arriver. Elle a même arrêté de m'appeler par mon prénom et au lieu de ça, elle m'appelait la patate. Oh. Parce que j'étais fainéante et que j'avais de mauvaises notes. Cependant, elle était assez gentille pour ne pas m'appeler comme ça devant tout le monde. Comme si c'était une personne bienveillante. Mais ce qui a créé la haine que j'ai pour elle, oh, c'est la fois où mon crush Daniel, qui avait 2 ans de plus que moi, s'est approché pour la première fois de moi pour me demander si je pouvais leur arranger un rencard. J'avais le cœur brisé. À ce moment-là, je savais que je n'aurais aucune chance avec lui. Oh non, ça fait si mal. Tu vois ton crush, ok, tu prends ton crush. Imagine ton crush, il arrive vers toi. Et ça, ton crush là, il fait tu vois ton ami, pourrais pas m'arranger un truc avec? Alors que toi, t'as juste envie d'être avec cette personne, enfin t'es dégoûté. Non, en vrai, là par contre, j'ai chaud. Là j'ai chaud, ouais. Même dans un million d'années. Je lui ai donc dit, fais-le tout seul, espèce de bizarroïde.
Mais je doute qu'elle veuille sortir avec un loser comme toi. Elle a quand même dit bizarroïde, hein. Espèce de bizarroïde. Alors entre ça et la plante verte, je sais pas c'est quoi la plus grosse punchline. Et je ne pense pas qu'il veuille sortir avec moi après ce que j'ai dit. Il était vraiment très énervé. Je l'ai embarrassé devant tous ses amis. Maintenant, il va me détester pour toujours. Oui. Au revoir l'espoir. Au revoir futur mari. Au revoir. Je pense que je finirai seule de toute manière, tricotant une robe pour ma chatte Katy Perry, parce que j'étais un... Katy Perry ? Je n'avais jamais entendu celle-là. Un gaspillage d'oxygène pour tout le monde. 2 ans plus tard, ma sœur est devenue plus célèbre. J'ai trouvé un travail à mi-temps et j'ai continué à être une moins que rien. Cependant, soudain, tout a changé. J'étais totalement choquée. C'était comme si la chance m'avait enfin souri. Et tout est devenu dans mon camp. C'était comme si j'avais gagné au loto. Eh bien, tout a commencé quand Regina George était en train de planifier d'avoir un stream direct sur sa page. Là, je sais pas pourquoi, tout va partir en chouquette. Je le sens. Et vous le sentez aussi. Après avoir préparé le cadre dans sa chambre, elle est allée chez sa coiffeuse. Oh. Elle en fait toujours des caisses. Et je suis allée dans sa chambre pour chercher ma capuche, Billie Eilish. Oui, je suis une grande fan. Elle savait que j'aimais cette capuche et elle avait l'habitude de la voler pour me taquiner. En la cherchant, j'ai pris quelques minutes pour regarder son équipement. Je ne pouvais tout simplement plus supporter la personne qu'elle était devenue. Et soudain, j'ai commencé à l'imiter. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je voulais me moquer d'elle. Je me suis donc assise derrière son bureau et j'ai fait semblant d'être elle. Et j'ai accidentellement activé le stream direct. Non ! Oh, ça c'est ma hantise. Quand je laisse mon PC à des gens, je me dis toujours « Eh mec, imagine, ils font un stream genre sur ma chaîne, mais alors que je suis pas là, tu vois. » Parce que moi, je laisse sur mon appart à des gens. C'est chaud, c'est chaud. Surtout quand t'as beaucoup de followers, je pense que c'est chaud. Maintenant, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je n'étais pas intéressée par les réseaux sociaux et je n'ai absolument aucune idée de comment toutes ces choses marchent. J'étais en direct sans m'en rendre compte et je me moquais d'elle sur sa propre page. Quand elle a reçu une notification disant qu'elle était en direct, elle s'est précipitée à la maison. Elle a surgi dans sa chambre comme une chienne enragée et elle m'a poussée. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Non mais les bruitages. Boing. Là, mais les bruitages, ils sont incroyables. Franchement, on n'en parle pas assez, mais pour l'instant, la vidéo, elle est incroyable. Enfin, j'aime bien. Je l'ai donc poussée en retour, en lui criant dessus. Bagarre. Et on a en quelque sorte entamé une grosse bagarre devant la caméra. C'est un prank. Comme les Kardashian. Sauf que celle-ci n'était pas du tout prévue. Bien entendu, mes parents ont rejeté toute la faute sur moi. Et ils m'ont puni pour avoir presque ruiné la carrière de ma sœur. Et après m'avoir punie, ils sont allés la conforter parce qu'elle était énervée contre moi à cause de ce qui s'est passé. Toute cette discrimination m'énervait. En vrai, c'est quand même... Les parents, ils abusent un peu de leur enfant, là. Un peu quand même, beaucoup même. Mais après ce jour, un miracle est arrivé. La vidéo est devenue virale et avait des tonnes de vues. Les gens l'aimaient depuis le début et riaient de la manière avec laquelle j'imitais Kelly. Je suis devenue célèbre. Soudain, les gens s'intéressaient à moi et voulaient plus de mes vidéos. Mais Madame Parfaite ne voulait plus jamais me mentionner. J'ai essayé de la convaincre de m'avoir en tant qu'invitée, une fois de temps en temps, dans ses vidéos. Mais elle s'est moquée de moi et elle a refusé. Ah ouais, c'est chaud, je comprends. On est d'accord que l'histoire, elle est chou, là, pour l'instant. J'ai décidé de le faire de ma manière. Et ce que j'ai fait après a changé ma vie pour toujours. J'ai créé ma propre page. Et elle a commencé à faire des lives Fortnite. Gros placement produit Rachel Legends. Elle a qu'un seul post. J'ai posté la vidéo dessus. Personne ne la connaissait encore. J'ai donc embauché un pirate informatique et j'ai piraté son compte. J'ai fait la pub de ma nouvelle page sur son compte. Et j'ai demandé à ses abonnés de suivre ma nouvelle page. Et j'ai expliqué que j'ai décidé de publier plus de vidéos imitant d'autres personnes comme des célébrités, des blogueurs. Mais juste pour rigoler, sans aller trop loin bien sûr. Et vous... Ok, donc en fait ça devient clairement un compte parodie. Vous n'allez pas le croire, mais ma page était dans les tendances. La vidéo a marché et avait des tonnes de vues. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Quand ma sœur a appris toute l'histoire, elle a perdu la tête. Elle m'a menacé que si je n'arrêtais pas, et que j'ai fermé mon compte, elle allait me le faire regretter. Mais elle savait que j'avais presque tous ses abonnés sur ma page. Oh oh. Et que je pouvais ruiner son image parfaite aussi. En fait, je l'ai menacée de faire un direct sans qu'elle le sache et de montrer aux gens sa vraie identité. Mais en fait, ce genre d'histoire, normalement, ce genre d'histoire, je crois qu'elles sont vraies. Donc toutes les histoires genre qu'on regarde depuis le début, elles sont vraies. Mais je me dis, alors du coup, ça veut dire que là, on peut peut-être retrouver du coup le compte là où c'est vraiment arrivé. Parce que du coup, si la vidéo elle est virale, elle doit encore exister sur internet. Puis ce jour-là, elle s'est calmée. J'ai continué à travailler sur ma propre page et heureusement, elle devenait de plus en plus célèbre tous les jours. Elle brûlait de jalousie. Le temps s'écoulait, je gagnais pas mal d'argent aussi. En fait, elle lui a volé son travail, basiquement. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai acheté à mes parents de nouvelles voitures et leur ai donné des tonnes d'argent pour attirer leur attention. Non mais mec, attends mais les parents, ils devaient être en mode stonks. Les parents, ils devaient être trop contents. T'as leurs deux enfants qui, pour une raison qui leur échappe complètement, leur donnent tout. Tu vois, eux, ils ont littéralement pris la phrase « une villa pour la mama » très au sérieux. Ma vie a changé du tout au tout et les gens commençaient à me remarquer. Mes parents m'aimaient enfin et j'avais un tas de fans et d'amis qui me faisaient sentir spéciale.
Je commençais à m'habituer à un traitement pareil et je suis devenue obsédée. Oh non. Et oui, je sentais qu'il y avait une sorte de compétition entre Kelly et moi. Et celle qui réussissait le plus avait le plus d'attention et d'amour de la part de nos parents et de tout le monde. Des parents michetots, mais si ça on me l'avait dit un jour, je pense que j'aurais pas cru. Même si je savais que toute l'attention était fausse, j'aimais ça. Je suis devenue accro et j'en voulais plus. Je devais donc faire quelque chose et l'effacer de la compétition. Non mais arrêtez tout. Non mais attendez. Non mais là attendez. Repose ta hache, tout va bien se passer. Regarde, moi je me suis coupé. D'ailleurs j'ai ce réflexe de toujours lécher quand je coupe. Ah mec, le corona c'est chaud. Non, corona. Je voulais la détruire. Non. J'ai créé de faux... Mais elle a des pouvoirs magiques. What the fuck. Et j'ai ligué les gens contre elle. J'ai écrit des commentaires mauvais et méchants sous ses posts. Et j'ai révélé ses défauts. Voir sa page souffrir m'a rendu plus obsédé par la mienne. En vrai, ils ont très peu de followers d'écart. T'aurais juste pu jouer franc jeu, continuer à faire tes vidéos, et peut-être que t'aurais encore plus d'abonnés qu'elle. Mais franchement, là, c'est une grosse blague quand même. Je devenais furieuse à chaque fois que quelqu'un écrivait un commentaire mauvais ou méchant sous mes posts. Mais ça se trouve, elle fait exactement la même chose. J'allais immédiatement voir la page de Kelly pour voir si la personne était l'un de ses fans. Je me réveillais deux fois chaque nuit pour jeter un coup d'œil à ma page. Passais des heures à modifier et à perfectionner chaque post avant de le publier. J'essayais de prédire ce que les gens pouvaient critiquer dessus. J'ai dédié toute ma vie à ma page. Ah ouais, mais la meuf là, elle est obsédée. Elle est accro-stat. Je devenais énervée comme un animal sauvage quand quelque chose ne marchait pas. Je m'inquiétais tout le temps. Et je suis devenue obsédée par l'achat de nouveaux produits, les chirurgies esthétiques, et je me concentrais sur mon apparence physique. J'ai dépensé ma fortune pour avoir tout ça, et je ne pouvais pas m'arrêter. Et le jour où mon nombre d'abonnés a dépassé celui de Kelly, je suis allée dans sa chambre. Ah, donc finalement, c'est arrivé. Ok, bon là, elle va flex, elle va dire « Oh, j'ai plus d'abonnés que toi ». On s'en bat les couilles. Ok, vas-y, ok, j'ai envie de voir la suite. En vrai, elle est grave intéressante l'histoire. Je pense que vous tous, enfin, ceux qui suivent un peu YouTube et Instagram, vous savez qu'il y a vraiment des gens comme ça. Donc en vrai, c'est marrant. Il est regardé avec un rictus en disant « Eh bien, ma chérie, ne sois pas triste, c'est mon temps de briller ». Ce qui m'a énervée, c'est qu'elle m'a regardé en souriant et elle a dit « Bonne chance, ma chérie. Tu sais, tout a des conséquences ». Ça m'a irrité. J'ai claqué la porte et je... Vous préférez laquelle des deux? Parce que là, pour l'instant, en vrai, je trouve qu'il n'y a pas de gentils et de méchants. Ils sont juste tous complètement malades dans cette famille. J'ai pas supporté l'idée de rester dans une maison qui lui appartenait. J'en ai donc acheté une nouvelle, plus chère. Et je lui ai dit de garder la sienne. Ah, vas-y, y'a qu'au Monopoly que tu peux acheter des maisons comme ça? T'achètes ton petite maison, tu fais des hôtels. Clairement, j'ai acheté une petite maison pour mettre mes parents dedans. Une villa pour la mama. Mes parents étaient éblouis par mon nouveau manoir. Ils ont décidé d'emménager avec moi. Kelly est restée chez elle et elle a refusé de venir vivre dans une maison qui ne lui appartenait pas. Je me suis concentrée davantage sur ma page. Okay. Et j'ai commencé à faire de nouvelles vidéos d'imitation de célébrités. Mes vidéos sont devenues virales et ma page devenait plus populaire chaque jour. Du coup, les marques me payaient beaucoup d'argent pour faire la pub de leurs produits. Et mon business a commencé à grandir de plus en plus. Un jour, j'ai entendu que toutes les entreprises avec lesquelles ma sœur faisait sa pub ont rompu leur contrat avec elle et sont venues vers moi. Ça va être un coup dur. Ma page a commencé à perdre sa popularité et elle a commencé à souffrir financièrement. Étant au courant de ça, j'ai essayé de la convaincre de venir vivre avec nous. Après tout, c'était ma petite sœur. Mais elle a refusé. Elle pensait que je voulais me vanter de mon succès et l'humilier. Après un certain temps, j'ai entendu qu'elle avait vendu sa maison. Et je me suis sentie coupable quand j'ai entendu la nouvelle. Mais après, en même temps, une page, c'est grave bipolaire. Tu peux genre percer un jour, mais tout perdre un autre jour. C'est totalement normal. Que ça sur YouTube, Twitch ou Instagram, je pense que tu gagnes beaucoup beaucoup d'un coup. Mais que si t'arrives pas à gérer et que tu pars un peu en chouquette, je pense que du coup, bah, tes abonnés ils partent et du coup tu gagnes plus rien. J'ai essayé de la contacter, mais son téléphone était éteint. Je ne pouvais pas la contacter. Je lui ai envoyé quelques messages sur sa page Instagram, mais elle n'a pas répondu non plus. Un jour, j'ai ouvert les yeux sur un désastre. Il y avait des faux comptes qui attaquaient ma page. Elle était remplie de commentaires méchants et humiliants. J'ai vu des vidéos affreuses qui ont été envoyées en privé, et aussi des menaces et des accusations. T'inquiète, j'en ai aussi. Disant que j'ai ruiné la vie de ma sœur. J'ai perdu la tête quand j'ai vu ce qui est arrivé. Et j'ai commencé à casser des choses. J'étais choquée et effrayée en même temps. Au début, je pensais que c'était Kelly qui essayait de se venger de moi. Bah, attends, c'est pas ça? Eh, libérez Kelly, hein. Hashtag libérez Kelly dans les commentaires, tout le monde, hein. Vous écrivez ça? Ah, j'avoue. Écrivez tous libérez Kelly dans les commentaires, que ça, on va faire comme dans les autres vidéos, genre, les commentaires, ça va être n'importe quoi. Mais après un bout de temps, j'étais convaincue que ce n'était pas elle. Ok. En plus, je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis un moment. Mes parents non plus, d'ailleurs. J'ai commencé à... Et les parents, ils sont bien, hein. Tant qu'ils ont de l'argent, ils s'en foutent totalement. Non, en vrai, c'est terrible, c'est terrible. Genre, ça va être horrible comme relation avec ses parents, de les tenir par l'argent. Croire que quelque chose lui est arrivé, et qu'elle était portée disparue. Mes parents et ses amis proches ont essayé de la contacter, mais personne ne savait où elle était. Donc mes parents et moi avons décidé de déclarer sa disparition à la police. Et ils ont ouvert une enquête. Les semaines se sont écoulées, mais ils n'avaient rien trouvé. La seule chose qu'on savait, c'est qu'elle a vendu sa maison, a payé ses dettes et elle avait disparu. Elle avait des dettes?
très mal durant des jours. Je n'arrêtais pas d'imaginer le pire. Même si ma sœur et moi n'étions pas proches dernièrement et qu'on se détestait, je pleurais tous les jours depuis sa disparition. Le sentiment de haine était uniquement temporaire. Parce que c'est pas de la haine, c'est de la jalousie. Je pense que chacune des deux, ils étaient jaloux l'une de l'autre tout le temps. Mais je pense que c'était pas genre une haine énervée depuis le début de la naissance du monde et tout. Je pense que juste, ils étaient haineux à cause de la jalousie, mais que ça passerait, parce que quand même, c'est ta sœur au final. C'est beau ce que je dis, hein. Je n'ai pas arrêté de penser à elle. Et j'ai finalement réalisé que je devais dire à tout le monde ce que j'ai fait. Même si je savais qu'il allait y avoir des conséquences graves, et je me suis rappelé qu'elle m'avait prévenu. Je m'en foutais. Tout ce qui m'a... Mais en fait, elle a fait quoi? Genre, elle a rien fait de mal, je crois. Hein. Genre, elle a pas fait un truc genre illégal ou quoi? Genre, juste elle est normale. L'importé, c'était qu'elle revienne saine et sauve à la maison. J'ai donc rassemblé ma force, j'ai fait l'inimaginable. J'ai posté une vidéo sur ma page, dans laquelle j'ai confessé ce que j'ai fait à ma sœur. J'ai parlé de mon obsession par ma page et de tous les faux comptes et les campagnes méchantes que j'ai dirigées contre ma sœur. J'ai révélé combien je me sentais coupable et honteuse dans cette vidéo. J'ai oublié qu'elle avait payé pour qu'il y ait des commentaires négatifs. J'avoue, elle a fait un coup de pute. Moi, j'avoue quand même. Je suis très curieux de savoir si du coup ils vont la retrouver. Je me suis excusée auprès de ma sœur et j'ai demandé à mes abonnés de m'aider à la retrouver. J'ai expliqué qu'elle avait disparu après ce qui s'est passé et que je voulais qu'elle revienne. Une fois la vidéo publiée, elle a été en haut des tendances. Elle avait des tonnes de vues et les conséquences graves, comme je le supposais. Beaucoup de gens se sont désabonnés. Ah ouais, de moi. Elle a perdu 6 millions d'abonnés. Wow, 6 millions d'abonnés, c'est quand même beaucoup. D'autres ont même inventé et écrit des histoires horribles et des rumeurs sur moi. Je me suis sentie anéantie. J'étais attaquée par presque tout le monde et ma sœur était toujours introuvable. Toutefois, il y avait certaines personnes qui ont essayé d'aider, mais ils n'ont rien trouvé non plus. Je commençais à perdre espoir. J'étais certaine que quelque chose était arrivé à ma sœur, parce qu'elle ne m'avait pas encore contactée et ma vidéo a été vue par tout le monde. Je suis certaine à 100% qu'elle la verrait si elle allait bien. Par contre, c'est moi où elle vient de pleurer du lait. Je sais pas d'où ça venait, maintenant je sais. Il n'y avait aucun signe de ma sœur. Un jour, alors que je scrollais à travers les messages, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il y avait un message qui était méchant, comme la majorité des messages. Mais c'était méchant comme si Kelly l'avait écrit. Ce qui a augmenté mes doutes, c'était que la personne m'a appelé tête de patate. Si Kelly elle disait déjà tête de patate à l'époque sur son profil, ça peut être aussi elle, un ancien fan de Kelly, tu vois. Oh, c'est compliqué, je suis beaucoup trop investi. Je savais que quelque chose clochait avec ce message, et j'ai donc mené ma propre enquête. J'ai appelé mon génie informatique et il a piraté la page de l'expéditeur. Et ce que j'ai trouvé m'a fait perdre la tête. Ce mec nommé Josh était l'un des fans de ma sœur. Ah bah voilà. J'ai lu les messages entre les deux et ce que ma sœur a fait était incroyable. Après avoir vendu sa maison, elle a emménagé chez lui et elle vivait avec lui. Je ne pouvais pas croire que Kelly a fait un truc pareil. Je veux dire, préférer vivre avec un inconnu que de vivre avec sa sœur était assez terrible. Attends, mais c'est pas un inconnu, ça se trouve, ils sont très bons amis. Son ego l'a rendu dingue. Quand j'ai relu le message que Josh m'a envoyé, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. D'une certaine manière, j'ai ressenti que Kelly avait besoin de mon aide. Je suis directement allée au poste de police. Je leur ai montré les messages et je leur ai montré ce que j'ai trouvé. Ceci dit, je n'ai pas mentionné le piratage. La police a fait en sorte de trouver son adresse et on est immédiatement allé chez lui. Son voisin était super bizarre. Je ne comprends toujours pas comment Kelly a fait une chose comme ça. Quand Josh a vu le policier, il a refusé d'ouvrir la porte. La police a donc défoncé la porte de son appartement. Mais il se passe quoi? C'est quand même assez incroyable ce qui est en train de se passer. Quand on est entré à l'intérieur, ma mâchoire s'est décrochée. Son appartement était rempli de photos de Kelly, de produits de sa publicité et des choses qu'elle utilisait. Ce mec était obsédé par ma sœur. Il gardait même les mouchoirs qu'elle a utilisés pour s'essuyer le nez et a écrit « Le mucus de mon précieux bébé ». Oh. Dégueulasse. Quand la police le pourchassait, je suis partie à la recherche de Kelly. Et je l'ai enfin retrouvée, enfermée dans une petite chambre. Elle avait l'air très mal, elle tremblait. J'ai couru vers elle et je l'ai serrée dans mes bras. Elle a pleuré comme un bébé dans mes bras. Après ce jour-là, Josh a été arrêté. Mais tu m'étonnes qu'il a été arrêté, mais arrêtez-le. En fait, ils auraient dû l'arrêter dès le début. C'est avéré qu'il est mentalement malade et qu'il était obsédé par Kelly depuis des lustres. Quand il lui a finalement parlé, elle était convaincue qu'il était un manga. Elle a déménagé chez lui. Comme quand on connaît vraiment pas les gens, surtout lui. Mais quand il l'a finalement eu chez lui, il l'a enfermé et l'a déconnecté du monde extérieur. Il l'a boulé uniquement pour lui. C'était un maniaque et ma sœur ne pouvait pas s'enfuir. Jusqu'au jour où il lui a montré la vidéo et Kelly était capable de le convaincre de m'envoyer un message. Il a écrit exactement ce qu'elle lui a dit et ça m'a aidé à la trouver. C'est vrai, là elle a bien joué, franchement elle a bien joué. Quand mes parents et moi sommes allés à l'hôpital pour voir si elle allait bien, je me suis approchée pour la serrer de nouveau dans mes bras et m'excuser en personne. Mais elle s'est éloignée et a dit «
J'ai vu ta vidéo. C'était tellement naïf. Tout comme toi. Ne pense pas que je vais te pardonner, juste parce que tu m'as sauvé la vie. Au moins, ça m'a aidé à te trouver et tu es en sécurité maintenant. » Un petit sourire caché s'est affiché sur son visage. Tu vois, ils ont beau se détester, je pense qu'ils s'aiment beaucoup. Non mais vraiment, ça devient un peu niais, mais c'est un peu marrant. Elle a dit « Oui, la patate. Quant à moi, je me suis inscrite pour des cours d'acting. Parce que, soyons honnêtes, l'université s'est un peu beaucoup me surestimé. » Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu. En vrai, je suis très content de cette histoire-là, je trouve qu'elle était plutôt cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos et rejoindre la communauté. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et ça fait grave plaisir les potes. Suivez-moi sur Instagram, Twitter, Twitch, n'importe quoi, machine gaming. Suivez-moi absolument partout. Et merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, passez une très très bonne journée. A plus, mon c'était Rayton et ciao.